j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis en extérieur à l'ombre. Du coup, je trouve qu'il y a une luminosité plutôt pas mal parce que il y a plein d'arbres autour. Il fait très très beau. Donc, pour celles qui me suivent sur Snap, vous savez normalement où je suis. Je suis juste là pour une journée, le temps d'accompagner ma mère. Bref, donc du coup, la vidéo, c'est mes acteurs préféré américain. C'est parti. Alors du coup il y en a 10, il n'y a pas forcément d'ordre, c'est pas forcément un top 10 ou quoi que ce soit. Je les aime vraiment tous beaucoup, après j'ai quelques préférences un peu plus, mais voilà, sans plus. On va commencer par les filles, puisque on va dire que c'est celle que j'aime le moins dans les acteurs, on va dire ça comme ça. Donc du coup il y a Natalie Portman. Donc elle, c'est l'actrice qui joue dans Star Wars. Elle a même fait une pub Dior d'ailleurs. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est super, super jolie et tout. Après, elle a pas, elle a plus fait énormément de films récemment parce qu'elle a eu des rumeurs ou des trucs en 2018 qui s'est passé. Bref, du coup voilà. Ensuite, il y a Shailene Woodley. C'est l'actrice qui joue dans Divergente. Elle, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'aime vraiment... vous allez voir, ce sont que des films d'action en fait qu'ils ont fait, ces acteurs. Et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, il y a Jennifer Lawrence. Donc c'est l'actrice qui joue dans Hunger Games et aussi dans X-Men. Dans X-Men, c'est la fille toute bleue, là. Mystique. Voilà. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, il y a Hugh Jackman, c'est l'acteur qui joue dans X-Men, c'est Wolverine, et dans les Wolverines, c'est Wolverine en fait, tout simplement, donc Logan, voilà, et lui je l'aime vraiment beaucoup dans tous les films qu'il a fait, je l'aime trop trop trop. Ensuite, il y a Chris Hemsworth, c'est l'acteur qui joue Thor, donc il est dans les Avengers, il fait Thor, et il a aussi fait le film Blanche-Neige et la Reine... des glaces, enfin genre voilà, et j'aime, je l'aime vraiment beaucoup dans ces films là. Voilà, ensuite il y a Vin Diesel, dans l'acteur qui joue dans Fast and Furious. Voilà, lui je l'aime vraiment beaucoup. Après je sais qu'il a fait d'autres films d'action, j'ai pas eu le temps de les regarder, mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup quand même en général. It's been a long day that you my friends. It's only one better it, I see you again. Voilà, donc en fait il n'arrête pas de chanter cette chanson en l'hommage de Paul Walker. Bref, du coup ensuite j'en suis où? J'en suis à Jason Statham. Donc lui aussi a tourné dans Fast and Furious et dans plein d'autres films, Le Transporteur et j'en passe, mais je l'aime vraiment dans tous les films qu'il a fait. Lui c'est vraiment l'acteur, j'aime tous les films qu'il a fait tout simplement, que des films d'action. Voilà. Ensuite, il y a Harrison Ford, dans lui c'est l'acteur qui joue dans Star Wars et dans plein d'autres films, dans Indiana Jones, je l'aime vraiment beaucoup. Lui c'est vraiment mon acteur préféré, enfin, c'est THE quoi, THE acteur, voilà. Maintenant il commence à se faire vieux, mais je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, et si j'oublie rien, si j'ai tout dit, j'en ai encore deux. Donc il y a Robert Downey, l'acteur qui joue Iron Man. Alors pour... Il y en a certaines qui vont sûrement me dire que c'est l'acteur préféré de Carol Sevilla, mais sachez que ça a été mon acteur préféré dès que Iron Man est sorti. J'aime vraiment beaucoup cet acteur. C'est un point commun avec Carol Sevilla, on va dire ça comme ça. Voilà. Et en dernier, il y a Dwayne Johnson, l'acteur qui joue aussi dans Fast and Furious, qui a joué dans le nouveau Baywatch Alerta Malibu. C'est le grand musclé là, et qui a fait Voyage au centre de la Terre 2. Et je l'aime vraiment beaucoup dans tous les films qu'il a fait, je l'aime vraiment beaucoup cet acteur aussi. Dans Jumanji aussi, ah, c'était vraiment trop trop bien. Ils sont tous trop bien ces films où il est dedans. Même dans G.I. Joe, enfin, j'aime vraiment tous les films qu'il a fait cet acteur aussi. Voilà. Et normalement je vous ai tout dit, voilà. Donc ce sont tous mes acteurs vraiment préférés américains. Ils font vraiment tous de l'action en fait pour le coup. Je les aime vraiment de fou, j'accroche
trop à ces films en fait. Et du coup voilà, donc n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous voulez une partie 2 avec mes acteurs préférés français, étant donné que j'en ai un peu moins, que je dois réfléchir un peu plus et tout. Donc voilà, à commenter, à partager, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.